À la tête d'une importante délégation du PDCIRDA, le président Henri Konan-Bédier et son épouse se sont rendus ce jeudi 27 février 2020 aux côtés de la famille des feux Charles Koffi Dibi pour présenter leurs condoléances. Pour la circonstance, le couple Bédier était accompagné du secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, des vice-présidents du PDCIRDA, avec à leur tête le coordinateur des activités des vice-présidents, le général Gaston Wassena Kone, et des membres des instances du PDCIRDA. Au nom du président Henri Konan-Bédier et des membres du PDCIRDA, le doyen Ndriyo Koli, conseiller chargé des affaires traditionnelles du président Henri Konan-Bédier, a exprimé les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. En retour, le porte-parole de la famille, Tokra Victor, a remercié le couple Bédier pour l'assistance et le soutien qu'il apporte à la famille. Le professeur Maurice Kakou Dikawe a annoncé à la famille de feu Charles Koffi Dibi qu'un hommage sera rendu à l'illustre disparu par le PDCIRDA le mercredi 11 mars 2020 prochain à la maison du parti avant le transfert du corps à Boisflay. Mais avant, une veillée militante aura lieu le vendredi 6 mars 2020 de 19h à 20h au domicile de feu Charles Koffi Dibi. Visiblement touché par cette disparition, le président Henri Konan-Bédier a laissé un message rempli d'émotion dans le livre des condoléances avant de prendre congé de la famille. Message lu par Seribi Nguessan, secrétaire exécutif du PDCIRDA, chargé des délégations et des sections. Charles Koffi Dibi, grand militant du PDCIRDA, chers compagnons, tu nous quittes au moment où notre combat tire vers sa fin pour ramener aux Ivoiriens paix, réconciliation et concorde. Toi qui as fait de ta vie l'amour, l'amitié et la fraternité entre hommes et femmes. Tu nous laisses une œuvre immense dans tous les domaines. Elle nous servira de repère et de patrimoine. Le PDCIRDA, ton parti, tes aînés que nous sommes, tes compagnons, ne t'oublieront jamais. Repose en paix, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, t'accueille dans son royaume céleste. Repose en paix. Adieu, compagnon Henri Konan-Bédier. Pour rappel, Charles Koffi Dibi est décédé le samedi 7 décembre 2019 à l'âge de 62 ans. Il était président du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Côte d'Ivoire. Membre du bureau politique, vaillant militant, il a servi le PDCIRDA au niveau national et international.